Salut à tous, donc c'est Mathieu de l'atelier Volpi Motorcycle. Et voilà, ben c'est parti pour une troisième vidéo. Donc là, ben vous avez bien compris, ça concerne la partie haut moteur. Donc ben le remontage des pistons tout neufs avec ses segments neufs également. Les axes également sont neufs. Donc voilà, donc pareil, je viens de mettre de l'huile au préalable de partout. Voilà, comme papa dans maman. Ensuite le clips, un peu galère à mettre les clips là pour le coup, j'ai pas galéré du tout. Regardez cette facilité, c'était pas fait exprès. Enfin, d'habitude c'est plus galère. Ensuite on tierce les segments, faut bien y penser, hein, tiercer. Un petit peu d'huile avant dans les cylindres qu'on étale bien avec les doigts. Petit café pour se redonner un peu d'énergie et surtout du courage, parce qu'avec ce que je vais faire maintenant, pour vous dire que ça tout seul et sans les pinces, c'est assez galère. Alors j'en avais commandé des pinces, mais j'arrive pas à les utiliser correctement. Je préfère le faire manuellement. En fait, il faut pas être pressé, tout simplement, quoi. Il faut prendre son temps, bien regarder, bien le ressentir, la grosse mytho, voilà. On pécouille un peu. Allez, c'est parti, on attaque le remontage de la culasse. Toujours de la graisse cuivrée sur les goujons pour un serrage précis. On couple bien sûr. Alors petite astuce de voir dans les stories, moi je me note les écrous, les numéros. Comme ça je suis sûr de n'oublier aucun sur le compte à mesure dans ma tête. Et moi je respecte toujours l'ordre. On remonte la bracam. Un petit peu de trinquillé sur les vis qui tiennent la bracame. Il y en a une qui centre, il y en a une qui serre, il y en a deux serres qui centrent. Petit plan sympa. Ensuite on contrôle les axes rochers qu'on appelle.
Voilà, j'espère que cette troisième vidéo vous a plu. Bon, vous l'avez bien compris, il n'y a pas toutes les étapes du remontage non plus, hein, sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps, elle dure déjà 6 minutes celle-ci. Mais bon, voilà, on y voit principalement les étapes les plus importantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager vraiment et s'abonner parce que j'essaierai d'en faire d'autres comme ça. Allez, salut.